Roger, quel bail, tranquillement, ça roule. Wiz, la Wizance, toujours dans le truc. C'est comment? Comment on est là, frère? Pénard, en booking. L'époque de Serfion, on t'attend ici, frère. Pas de l'autre côté, dis-lui, Roger, on t'attend de ce côté, nous. Là, t'es t'as vu, là, t'es dans le fait. Voilà, t'as vu, t'as buffé déjà. Voilà, ça fait plusieurs fois. Tu vas le passer. Ça fait plusieurs fois. Mais on allait, il y a trop de gens qui sont rentrés, mais ils sont là. On m'a dit, on m'a dit, en plus, à l'époque, ils sont venus à la pagode. Comme si vous pensez, dans le 9-5, showcase. Non, parce que. À l'époque, showcase dans le 9-5, c'était ça. Ah ouais, 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 c'est du bon, ouais, c'est ça. Mieux vaut tard que jamais. T'as vu, un bon accueil, ça n'a pas de prix, frère. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la même chose. Bonjour. Non, bien sûr. Ça, Roger, présente la ça va, tu vois. Ça, c'est un bon frère. Ça va, quoi. Ça va bien. Ouais, ça va. Ça va, tonton. Ça va, tranquille. C'est bien. Problème, c'est bien de donner de la force. C'est bien. Là, c'est bien. Ah, les chances. On accueille les bonnes personnes, non, on va bien. Ouais, on n'aime pas les gens qui jouent pas ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Au cœur du terre-terre. Non, voilà, c'est bien. Madame Gros, aussi, venu chez nous. Non, je suis pas là, nous on l'a choisi. Ah, hein, ah ouais? Moi je suis parti d'ici pour aller choisir. Ouais, j'habite dans la rue de Moumouké. Ah ok, ok. Ouais, ouais. Okay, à Barbus. Ouais, bah, okay. Non, ah, lui il est au quartier du port. Quartier du port maintenant. Ok, ok. Quartier du port. Ok, juste après le pont. Juste après le pont. Dans la droite là. Ouais, juste après l'ancien. Ouais. Bah, des mots, tout ça, je les vois souvent sur. Sur l'avenue, ça va, tu vas bien? Oui. Ok, c'est bien. C'est bon, des photos. Ça ne change pas avec tout le monde. T'as eu ma vue. Même couleur. Ça va? C'est toi? Arrête de mentir. Il y a la place de ces gens-là, t'as vu le problème, ils sont pas accueillis dans les... Il y a la place ou quoi? Il y a des principes et des gens de valeur. Il y a la place ou quoi? Pour moi, c'est ceux qui baissent un peu leur compte. T'as vu, là, on a l'ancien Roger, c'est un mec, ça fait longtemps maintenant. Il faut bien. Cinéma. Non. Il y a des gens, entre guillemets, des gens comme d'ailleurs qui sont prêts parce qu'ils sont dans les médias et tout, mais ça les intéresse pas, tu vois. Après, moi, c'est un peu décalable. Travailler comme ça, parce que c'est très important quand tu fais de l'artistique et t'as une liberté. Ah oui, pour la liberté, pour pas une personne qui dit non, ça, donc on se bat pour aller chercher nos financements, tout ça, mais au moins on est libre. Tu vois, c'est le but. Au moins on peut raconter ce qu'on a envie de raconter. L'indépendance. Voilà, il y a l'indépendance. Personne aime être enfermé ou que quelqu'un te tient en laisse. C'est relou, tu vois. Déjà, on nous tient en laisse avec nos impôts et tout ça. Alors, si dans ton artistique, les gens ils vont te dire non, tu racontes ça. Parce que si tu les laisses tenir tes affaires, au moment où tu vas arriver tout en haut, ils vont te bloquer parce qu'ils s'en font pour leur place. Tu vas leur prendre leur place. Ouais, c'est ça qui joue en fait. C'est que les mecs ils veulent pas nous laisser nous. Quand ils voient le talent, la dalle qu'on a, dès qu'on commence à éclore, t'as vu, ils vont nous virer. Ouais, parce que c'est d'autres portes en même temps. Ouais. Le talent, il fait ça, ouvre d'autres portes et ça donne d'autres opportunités. Parce que ces personnes-là, ils le voient, par exemple, dans le sport, dans plein de choses, ils voient que ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard dans le sport. Maintenant, il leur reste pas beaucoup de choses. Il leur reste la politique et la culture, tout ce qui est cinéma et tout, tu vois. Là, il met le doigt sur un point sensible. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent des quartiers, ils ont un potentiel incroyable. C'est des diamants qui restent à tailler. C'est un diamant brut. Et t'as les mecs, ils ont la technique pour le tailler. Mais ils se disent, attention, lui il va voler ma place. Hein. C'est ça. Il va prendre ma place dans tous les domaines. Hein. Que ça soit le sport, que ça soit la boxe, que ça soit, l'artistique, le cinéma. Il y a des familles, c'est maqué. T'as vu? Ils se disent, dès que les mecs ils arrivent, oh, ils vont prendre nos places, ils vont nous mettre à la rue. T'as vu? Ils se disent, oh, ils connaissent pas le métier, ils ont pas tous les vices. Ce qu'on arrive, on est un peu nia, nous. T'as vu?
On n'est pas aussi vicelard que les gens. T'as vu, nous, on a juste la dalle, on veut juste s'en sortir et donner à manger à nos enfants. Mettre la famille à l'abri, tu vois ce que je veux dire. Mais les mecs, ils regardent un peu ce qu'on fait, ils vont le raconter mieux que nous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui se joue depuis 30 ans, 40 ans en vérité. Tu vois. Et ceux qui arrivent à passer, eh ben, regarde bien, ils essaient de le. Un matin, il trouve tous ses dossiers, tous les trucs, toutes les failles, et il lui colle une sale image et il l'envoie à la poubelle. T'as vu? C'est ce qui s'est passé. Avec moi, avec d'autres, mais on résiste. On boit des tempêtes, frère. On les boit, les tempêtes. On est encore là. Tu vois? Ça y est, on a été préparé, conditionné, prédisposé à faire face à tout ça. T'as vu? Donc, voilà. De toute façon, il y a deux choix. Soit tu choisis de tomber, ou soit tu choisis de marcher la tête haute et t'avances. C'est deux choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il y en a qui tombent malheureusement parce qu'ils n'ont pas, les côtes pour, et il y en a qui avancent parce qu'ils ont les côtes pour, et il y a surtout parce qu'ils sont pères de famille. Donc pour les yeux de leur enfant, ils sont obligés d'être encore là, de se battre toujours pour montrer à leur enfant que c'est possible. Et il y a tout ça, et surtout encore pour nos enfants, parce que maintenant, nous on est là, mais maintenant il faut que nos enfants à nous, ça soit des maires, des ministres, ouais. Il faut les mettre à des postes de gueudin. Faut vraiment, faut pas qu'ils fassent les mêmes boulots que nos parents. C'est le nerf de la guerre, frérot. Voilà, tu vois, faut vraiment, faut les mettre à des postes de. Voilà, des vrais postes de. Mais c'est quoi le problème? C'est parce qu'on n'y croit pas à ces postes-là. C'est ça le problème. Mais c'est à nous de leur faire croire, maintenant. C'est à nous de leur faire croire. Il y a une éducation civique à donner. C'est ça. Parce qu'on n'y croit pas. T'as vu, on dit. De toute façon, c'est maqué ça. Tu regardes les jeunes qui viennent de nos quartiers et qui ont un fort potentiel dans les études. On les accepte pas dans les grandes écoles. T'as vu ou pas ? On les laisse avec leur niveau et on dit non, il faut pas qu'ils viennent dans les grandes écoles, parce que s'ils viennent dans les grandes écoles, ils vont prendre nos places encore. C'est ça. Ils veulent pas ça. C'est ça. Donc maintenant, il faut aussi. C'est peut-être un rêve que je dis, mais il faut créer nos grandes écoles. C'est par des projets comme ça qu'on crée nos grandes écoles. Il faut les créer. C'est à nous de créer. Il y a 2-3 personnes qui sont sorties, ben, il faut qu'ils reviennent pour dire vas-y. Maintenant, recréer pour notre génération. Parce que la chose qui peut être dangereuse, c'est si nos enfants, je dis, font les mêmes métiers que nos parents. Déjà, nous, c'est chaud. Hein. Nous, notre génération, tu vois, des mecs qui travaillent à l'usine et tout. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Normalement, nous, des mecs de notre génération, on devait être des grands architectes, on devait être des maires de notre vie. Des mecs de notre génération, ta génération. Tu vois ? Mais on s'est fait baiser. Et maintenant, la prochaine, on va plus se faire baiser. On sait parler français, on connaît tout, on connaît les vis, on a la dalle, on sait par où passer. Maintenant, bon, faut y aller. Est-ce que tu crois que les artistes, ils ont une importance, ils ont une influence ? Les artistes, ils ont une influence pour dire à un jeune que c'est possible, qu'il peut réussir. Tu vois ? Entre nous, les artistes, ils ont une grosse importance. Mais après, vis-à-vis d'eux, par rapport à eux, de l'autre côté, ils n'ont aucune importance, les artistes. Tu vois, je te dis la vérité. Moi, je suis comédien, je vois comment ça se passe. On est, voilà, les comédiens, ça a toujours été des gens qui font rire les gens, qui donnent du drame. Mais quand c'est des vraies décisions, on n'a pas besoin d'un comédien, hein, ou d'un rappeur, ou d'un joueur de foot. Hein. On n'en a pas besoin. La vraie décision, c'est la politique, mon frère. Et si on n'a pas nos gens politiques, si on n'a pas de lobby, on va toujours se faire manger, mon frère. Comme nos parents, ils se sont fait manger, comme nos grands-parents, ils se sont fait manger. Il y a trop de rivalité déjà entre nous. Déjà, juste entre nous, il y a trop de rivalité, trop d'ego. Il y en a un qui va marquer, derrière, l'autre il va respecter. L'autre il va lever le ballon d'or, l'autre il n'est pas content. Mais frère, on est la même équipe. T'as l'air droit, tu marques pas, mais tu lèves la coupe. Ouais. C'est grâce à toi aussi qu'on a pu marquer, t'as capté ? C'est ça le problème. Cette dalle-là, elle n'est pas maîtrisée. Tu vois ? Trop de rivalité, trop de jalousie entre nous. Donc on n'arrive pas à faire, on est divisé. Mais en même temps, il y en a qui contribuent à notre division. Ouais. Tu vois ? Et c'est pas tout le monde qui est éveillé, assez éveillé pour remarquer ce truc-là. Pourquoi ? Là, pas du gain, frérot. L'argent. C'est la faim. Voilà. On est éduqués chez nous, des parents. Les salaires de chez nous, c'était pas plus de 3000 euros pour élever 40 personnes, des 15 personnes. C'est la faim. Donc dès que tu mets la grosse somme, les gens, ils ont faim. Ils oublient les principes, les valeurs, ils oublient tout. Là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, là. Oh, je deviens ouf des fois. J'ai dit, punaise, elles sont où nos points de vieille valeur, hein? Les mecs, ils n'arrivent plus à dire non. Argent, ça y est. Ça tourne le dos, ça se mélange, ça laisse passer les microbes, les bactéries. Tout le monde rentre, ça y est, on est contaminé, frérot. Pourquoi ? Pour un peu de lumière. Tu vois, un semblant de succès. Un peu d'argent.
des t-shirts, tu vois, des... T'as capté. Mais est-ce que tu pensais pas pareil quand t'étais jeune, quand t'étais plus jeune? Non, non, jamais, frérot. Moi, je suis une tête dure depuis le départ. Frérot. Ouais. Moi, j'ai parti en milieu dur, moi. Non, jamais, moi. Tu aurais été pareil? Même, franchement, j'ai refusé des offres. Comme la phrase de Tony Montana. Dans quelle scène? Non, c'est dans Parrain. Dans le Parrain. Ah, je lui ai fait une offre. Une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ah. Oh, je l'ai refusé celle-là. T'as capté? J'ai dit non. Et j'en paye le prix. Mais au moins, je peux me regarder dans une glace. Tu vois? Au moins, voilà, je me retrouve là avec tes frérots. Tout le nez. Ils viennent à Vitry, c'est pareil. T'as capté? Tu vois, l'essentiel, c'est que t'es encore là, t'as la santé et c'est tout. Ça, c'est ça le plus important. Ouais. Tu vois, c'est ça le plus important. Le but, c'est ça le plus important. Tu vois, c'est vraiment ça le plus important. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ton droit de la jeunesse. Tu as la jeunesse. Ok. Parce que tu as fait des choses qui ont donné le souffle. Là-bas, il y a 10 personnes. C'est ça. Isaac, viens. On est où ici? C'est où on est où? Ici? Ouais. La 3000, à la Bourdonnais plus précisément. C'est vrai, je connais pas, gros, je suis d'Avignon. Tu connais pas d'Avignon? Ouais. Bah, sache qu'ici, t'es né sous bois, là, t'es dans le quartier des 3000, plus précisément à la Bourg. Ok. La Bourdonnais, pour ceux qui connaissent. Et c'est aussi, il vient souvent ou c'est la première fois qu'il vient? Non, c'est la première fois qu'il vient, mais c'est pas la première fois qu'il vient sur Né. Ok. Parce qu'il est bien proche d'un, bah, d'un chanteur rappeur chez nous qui s'appelle Sefiu. Ouais. Mais lui, il est plus des Emmaüs, c'est de l'autre côté. Ouais. C'est de l'autre côté de Né. Enfin, de l'autre côté, c'est un grand mot, mais de l'autre côté des 3000. Ok. Plus à la sortie de l'autre. Et lui, ça, parce que en général, il y a des rappeurs, ils peuvent pas rentrer dans des cités et tout. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce non, bah c'est vrai. Ouais. Bien sûr, c'est vrai. C'est une cité, c'est il y a des gens qui habitent. Mmh. C'est comme moi, demain je te connais pas, je peux pas venir rentrer chez toi de force. Ouais. Bah, c'est pareil. Mais lui, il peut. Lui, il peut parce qu'il connaît des gens, on a plein de gens en commun, on a des cousins qui habitent chez lui aussi, et, tu vois. Okay. Et puis c'est quelqu'un qui. On l'a écouté depuis qu'on est petit, tu vois. Ouais. Il y a des gens, tu les accueilles avec plaisir. Et t'as d'autres qui fantasment la rue, t'as pas envie de les voir. Et eux-mêmes aussi, ils ont pas envie de venir. Ils peuvent pas venir. Ils vont là où les gens, ils fantasment, comme eux, je pense. C'est quoi, c'est entre le réel et la fausseté? Là, ici, t'es dans le réel? Partout, on est dans le réel. Ouais. Même chez toi, à Avignon. Hein. Ouais. Même à Chartres ou à Montpellier, où tu veux. T'es dans le vrai. Mais à partir du moment où tu racontes des choses et que tu les vis, c'est plus facile de venir parler à une certaine population. Tu vois ce que je veux dire? Si tu les vis pas, t'arrives, ok, les gens, ils ont kiffé ce que t'as raconté, mais quand tu vas parler avec eux, tu vas échanger, là, tu n'auras plus. Donc, t'as vu cette part de réalité, il faut qu'elle se sente chez toi quand tu parles. Ouais, bien sûr. Si elle se sent pas, au bout d'un moment, les gens vont dire, lui, c'est une carna, lui, en vérité. Il y en a beaucoup dans le rap, tu penses? Des carnats? Ouais. Après, je sais pas si on peut appeler ça des carnats, parce qu'après, t'as vu, le rap, ça a changé. Mmh. Avant, c'était plus politisé, il y avait un message. Après, il y a une partie aussi, c'est du divertissement. Ouais. Il y en a pas, forcément, ils fantasment, mais ils rentrent dans une certaine fiction, parce que t'as vu, ils font un rap bien, bien précis. Tu ouais, vois ouais ce que bien sûr, bien sûr. Donc après, je pense pas que réellement, il y ait des mythos dans le rap, mais... Il y a des gens, ils ont du mal à se détacher de leur personnage. C'est ça le truc, parce que tu vois, Tony Al Pacino, on sait que c'est pas Tony Montana. Tu exactement. Vois. Mais on sait que c'est un personnage. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, un mec que nous ici on apprécie, ou même je pense que tout bon mec qui écoute du rap apprécie, un mec comme SCH, mmh. Il te fait un album qui s'appelle Julius. Tu sais que c'est pas Salvatore Conte, SCH. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. Mais on fait le distinguo entre le personnage quand il rentre dans Julius et le rappeur. Okay. Et le vrai mec qu'il est, tu vois. Okay. Il y a d'autres mecs qui vont te raconter des conneries. Quand ils sont entourés, bah, ils pensent vivre les mêmes conneries, mais quand ils sont tout seuls, non. C'est ça aussi le truc. Et tu penses qu'il y a. Parce que moi, j'écoute plus du rap maintenant, qu'au baladé, ouais. Tout ça, vu chacun, j'ai plus l'âge ouais, en fait. C'est générationnel. Moi. Mais leur musique, même leurs textes, et pour moi, ils veulent rien dire en fait, ils ont aucun message. Après, je sais pas si leurs textes, ils veulent rien dire à des gens comme Kobalade et tout, mais après, t'as vu, ces gars-là, ils vivent avec leur époque. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, à l'époque, une certaine génération, comme là, t'as eu un ancien de chez moi, il y avait quand même une certaine liaison. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. On voyait ce que les grands y vivaient, on faisait un peu la même chose. Mais aujourd'hui, entre ma génération à moi et celle de mon ancien et celle qui arrive là, il y a un décalage.
Donc aujourd'hui, un mec comme Kobalade, ce qu'il raconte, c'est ce que les petits vivent aujourd'hui en vérité. Et les petits aujourd'hui, tu vas trouver toi un petit de 25 ans qui a un message politique ou non, qui va te parler de société. Donc on peut pas leur en vouloir. Ouais, ils sont éduqués comme ça. Regarde, moi j'écoutais à l'époque la FF, Laura Luciano, tout ça. Ouais, mais c'était pas la même ils époque. Ils avaient 17, 18 ans quand il a enregistré les premiers titres. D'accord, et c'est qui les produisait la FF Akhenaton, il avait quel âge quand il les produisait? Il sort d'où? C'était un mec qui était inculqué. Un mec aujourd'hui comme Kobalade, je sais pas qui le produit. Mais je pense que c'est un petit qui est arrivé tout seul. Ouais. Par ses propres moyens, il a rappé. Donc il rappe ce qu'il vit. Mais c'est, les textes, ils avaient un sens. C'est-à-dire que. Et c'est, ça te crée une conscience, en fait, quand t'es petit. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis qu'ils sont à l'image de la société. Dans la société, aujourd'hui, il n'y a pas de conscience. Aujourd'hui, on t'invite une meuf de la télé-réalité, elle rentre sur un plateau, elle te dit, elle touche 120 000 euros. Elle est où la logique? Pourquoi? Parce que tu t'es mis en string dans une maison pendant 90 jours. Mmh. Bah, le petit, aujourd'hui, quand il va rapper, il va te dire, j'ai envie de baiser Nabila ou Astrid. Mais pourquoi tu veux lui en vouloir? Lui, c'est ce qu'il voit aujourd'hui. Donc on peut pas tant les critiquer, tu c'est vois. C'est quoi, c'est le reflet de la société? C'est la société qui est comme ça. Ouais. Le rap à la base, il a été créé parce qu'il y avait, des choses qu'on refusait dans la société. Donc si aujourd'hui la société elle est comme ça, bah, le petit va rapper sur ce qui est. Bicraft c'est devenu normal, aller au charbon c'est devenu normal. T'as vu, même aujourd'hui je critique pas, mais il y a des darons pour elles, ça y est, ils ont abandonné, des parents ils ont abandonné. Mmh. C'est normal le petit, tu vois, il se débrouille. Tant que le petit il se débrouille, il arrive à ramener un peu de casse pour les parents, même s'ils acceptent pas. Je veux dire, c'est une image qui est devenue normalisée. À l'époque, t'as vu là où t'es là, nous, ici? Ici, nous, ici, on vendait. Mais t'as vu, on se vendait même, on se cachait. C'est-à-dire, les parents, ils arrivaient, t'as vu, le charbon, il était stoppé. Jusqu'à que les repas, ils soient passés, après, là, on reprenait. Mais aujourd'hui, un petit peu, parents ou pas parents, ils charbonnent, frère. Comment tu veux lui en vouloir? Tu peux pas lui en vouloir. En fait, au lieu de les en vouloir et de les critiquer, il faut essayer de les comprendre. Moi, c'est comme ça que je vois la suite. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Parce que c'est trop facile aujourd'hui. T'as eu les mecs, ils ont 40, 45 ans, ils vont dire un Kobalade ou je sais pas, un Dahuzi ou je sais pas, t'as eu des noms comme ça. Ouais, mais leur discours, ça nous plaît pas. Mais ils vivent pas la même époque que les gens qui ont 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu normal, moi, je trouve. Mais le rappeur avait, d'ailleurs, comme Rof, une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils savaient, ils voulaient pas engrainer les gens ou ils représentaient le peuple, en fait. Et je trouve que dans le rap, maintenant, en fait, il y a plus de misère et le rap parle plus de richesse. Alors qu'avant, le rap. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le réel. À l'époque, on était dans le réel. À l'époque, tu viens de parler de Rof, comme tu dis. À l'époque, quand lui signait chez Hostile, tu crois, il divulguait le montant de son contrat ou de l'avance qu'il avait pris. Bah, aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, c'est normal. En fait, la misère aujourd'hui, ça fait encore plus de fric qu'avant. C'est-à-dire, t'as vu aujourd'hui un petit qui va signer, je sais pas, en licence ou en distrib, il va dire normal, j'ai pris 150K. T'as vu aujourd'hui, on divulgue toutes les infos, c'est devenu normal. Parce que la société, elle aime aujourd'hui tout ce qui est bling-bling, elle a accepté ça. Tu vois? Mais en fait, c'est une manière aussi de nous pervertir parce que t'es plus centré. T'es centré sur l'argent et quel que soit le moyen, tu vas essayer d'aller le chercher. Bah, d'où le fait qu'aujourd'hui, t'as des mecs de cité ou des meufs de cité, peut-être avec qui t'as grandi aujourd'hui, qui font de la télé-réalité, qui font les cagoles. C'est normal. C'est devenu normal. Mais. C'est devenu une norme en fait. C'est devenu une norme en fait. Mais est-ce que c'est normal? Ça, c'est notre question. Non, quand je dis c'est devenu normal, ça veut dire c'est que c'est rentré dans les mœurs. C'est ce que je veux te dire. Aujourd'hui, tu peux ne pas regarder la télé pendant 6 mois, t'allumes la télé, tu vois une télé-réalité, ça te choque. Ça te choque pas. Je comprends. Choque pas. Ouais. Demain, je sais que ça existe, ouais. Je sais que non, ça... après, les comportements peuvent te choquer, mais je veux dire, le format en lui-même, ça te choque pas. Non, Demain, t'entends cette meuf-là, elle est impliquée dans une histoire d'escorte. Cette même meuf que t'as vue dans cette télé-réalité, ça te choque? Non. Ça te choque pas. C'est ce que je t'explique, en fait. On s'habitue à tout, alors? On s'habitue à tout. C'est comme un petit qui est dans un pays où il n'y a que la guerre. Ouais, c'est pas normal. Mais tu crois que le petit, tous les jours, il va rester enfermé chez lui, il va pleurer? Non. Il est habitué à ça. Ça se normalise, en fait. C'est ça, le truc. Tu peux me donner ton nom et ton prénom, s'il te plaît? BT, moi. Tout le monde m'appelle BT. BT? Ouais. BT. Un B et un T. Vas-y, ça marche. Merci beaucoup. Y a pas de soucis, mon gars. Merci. Bah ouais, tu vois. Pourquoi c'est pareil, Robespierre, pareil. C'est important, frère, la vie. Tu vois, c'est... Il y a des artistes, on les a écoutés, il y en a d'autres, on les a pu s'écouter, il y en a, on les a pas... Par curiosité, on est des fans de rap, on a tout écouté. Ouais. Tu vois. Après, il y en a qui touchent plus que d'autres. Moi, je suis né d'une génération, j'ai pas réellement connu Tupac, j'en ai 36. Mais quand j'écoute sa musique, elle me parle. T'as vu, j'ai fait un retour en arrière, j'ai écouté, et quelquefois grâce à des gens comme toi. Toi qui appuie, écoute ça, tu vois. Et même frère, tes albums, il n'y en a pas, on a loupé. C'est-à-dire, moi, je te le dis pas parce que t'es là, Dédès, c'est très bien.
Moi, j'achète, frère. Même à l'époque, les gens étaient ici, là, à la bourre, tous les grands, tu vois. Et mon bâtiment, là, il venait toquer à la maison. Tu vois, c'est des... Il y a un grand, il est pas là, Marouf. Il serait là, un ancien. Il m'a volé ton CD, il me l'a volé. Il voulait me frapper pour ça. Tu vois. C'est dire, nous, ta musique, elle parle. Il y a des choses, vraiment, t'as vu, on ressent. C'est la première fois que je te vois. Mais quand on écoute ta musique, on dirait que t'es à côté, frère. Parce que ce que tu racontes, c'est ce qu'on vit, en fait. Donc, il n'y a pas de décalage, en fait. Qu'un mec, il habite à... En Australie, à Miami ou je sais pas quoi, il raconte ce qu'il vit là-bas, frère. Ouais. Ici, c'est la rue, c'est la misère sociale, ouais. C'est, tu vois, c'est les difficultés, c'est tous ces trucs-là, les jeunes qui essayent d'entreprendre. Voilà. Et on voit aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est que toi, à ton échelle, t'es venu là. Il n'y a pas de sécu, il n'y a personne, frère. Ah, mais c'est normal. C'est, je me sens à ma place, moi. Tu peux lui dire, il roule, hein. Ouais, tu le guides. Tu vas tout droit, la première à gauche. Okay. On va où, là? On va vite faire. C'est que c'est du cinéma. C'est quand t'es pas rassuré, frère. C'est quand t'es pas sur le droit, t'es exactement. Pas rassuré, que t'es pas à ta place surtout. Tu vois pas? Exactement, tu vois. Tu vois, quand tu fais face à la réalité et quand t'as pas vécu la réalité, quand tu vois la vraie réalité en face de toi, ton cœur il bat. Parce que le rap maintenant c'est devenu fictif. C'est fictif. Ils ont le droit de s'inventer des personnages, tu vois. Exactement. Ceux qui dérangent chez Gay, c'est nous qui allons déranger. Parce que nous on est en phase avec ce qu'on raconte. Ouais, les gens qui s'identifient à nous, ils nous ressemblent, tu vois, et ça depuis toujours. C'est vrai que nous, qu'on nous oppose après, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué, exactement. C'est soit au Lunet ou à Vitry, c'est le même combat, c'est le même stress. C'est la même chose, en fait. En fait, c'est une situation où, quand ton cœur il est là, tu t'adaptes. Même tu vas à Avignon, tu vas à Marseille, les gens ils ressentent quand t'es vrai. Voilà, quand t'es faux, tu vas venir, tu vas rester dans ton van, tu vas prendre tes images, tu vas remonter, tu vas te barrer. Tu vas les prendre furtivement, les images. Hein. Exactement. Exactement. C'est pour ça que ces gens-là, ils ne refont plus. Ils viennent plus le faire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils se mettent dans des coins. Ben oui. Dans des coins où il y a juste le panneau de la ville. Exactement. C'est... Toi, c'est... Frère, la banlieue parisienne, comme la banlieue marseillaise, comme toute la France, il a son degré de violence, il a son degré de respect et ils acceptent certaines choses. Ils acceptent les gens qui respectent tout simplement. Tu peux pas bluffer la rue. Tu peux pas. Les gens ils vivent dans la misère, frère. Ouais. Tu viens avec quoi? Tu veux leur raconter quoi? Tu leur donnes rien, frère. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui a compris ce truc-là. Il y a une génération qui a compris. Avant, t'as vu, ils couraient, clips, ça, bécane, ils tombaient par terre. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris. Parce que quand après, il y a tout ça, ils rentrent chez eux, il n'y a rien à manger, frère. Tu vois? Ces mecs-là, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. C'est fini, ça. C'est fini. Et tout ça aussi, c'est une éducation. C'est une éducation, mais ce qui est relou, c'est quoi? C'est... Vous savez, vous faites partie de ta génération. Et peut-être les 87, 88, jusqu'à 90, peut-être. Hein, t'as vu, vous faites partie des derniers à avoir capté cette éducation-là. Ouais, exactement. Ouais. T'as vu, après, c'est décousu. Hein, c'est pas un bon rire. Hein, c'est pas un succès. Après, c'est le système aussi. Hein. Après, t'as vu, il y en a, ils ont réussi à nous infiltrer, frérot. Ils ont repris nos codes et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, frérot, ils ont repris nos codes et ils ont tout faussé. Ils sont prêts pour nous et maintenant les valeurs elles sont inversées. Exactement. Tu vois, c'est là où il fallait garder les yeux ouverts. Exactement. C'est ça, c'est que involontairement aussi. Et cette idée aussi de vendre du rêve, elle a faussé beaucoup de choses. Mais involontairement, vous avez peut-être laissé aussi une porte qui s'ouvre dont vous avez les clés. Ouais gros, on est des serruriers, on a changé tout ça. C'est clair. Prends à gauche, frère. Vas-y lui, prends à gauche. Ouais. Toi, c'est des choses, c'était... C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu veux dire. Voilà, tu comprends. Non, j'ai capté, je viens entre les... C'est jamais tard. Mais il y a une époque... Il y a une époque, ça aurait été des feux d'artifice. Ouais. Là, on parle plus de streaming, on parle plus de téléchargement. Ouais. C'était... T'as vu les postes cassettes avec le CD et tout, c'est... Ouais, mais quand le streaming, il est arrivé, il a... Non, mais ça fait plaisir de fou, parce que... Même ma femme, elle me rappelle, ça fait plaisir de ouf, c'est... Je sais pas si tu ressens là ce que tu représentes, mais... C'est... Frère, c'est... En fait, il n'y a même pas de mots. C'est... Je lui disais à Dedes, Rof, dans ma vie, il faut que je le vois. Il n'y a pas que son groupie ou de fan. Il n'y a pas de groupie, frère. Non, mais t'as vu. Non, parce que les gens, c'est des malades, frère.
On a écouté tout le monde, mais il y a des gens, frère, quand ils parlaient, on dirait que c'était des messages des grands frères. Prends à gauche, frérot. Ouais. Toi, et la réalité, elle est là aujourd'hui. C'est que... De toute façon, les images, elles parleront, tu vois. T'es là, frère. Ouais, je passe, mais c'est avant, faut se rendormir. Avec mon téléphone, ouais, pardon, excuse-moi, j'avais pas capté, j'avais pas compris, excuse-moi. Vas-y, transforme-toi. Ouais, mais moi j'y vais là. Vas-y, t'inquiète. Oh, franchement, frérot. Au-delà même du fait de faire, le fait d'être présent, d'être ici, parce que le temps ne nous permet pas en fait. Tout ce qu'on a à faire, mais le fait d'être là, hey, tu sais pas comment c'est un regain d'énergie de malade en fait. Bah, ça te permet en fait de repartir de plus belle, de repartir avec des forces, des énergies. D'accord. C'est ces souvenirs qui te permettent de te rappeler d'où tu viens, de te rappeler des difficultés, de la commune. Et que des gens, ils t'ont aidé, ils étaient rien. Moi, j'ai parlé pendant 20 minutes là, avec un daron. C'est un daron, j'étais dans la classe de sa fille. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et ce daron, quand on était petit, il nous donnait tout le temps des conseils que j'ai jamais oubliés. Et là, je lui ai dit, et c'est quoi, il m'a regardé, c'est bien sûr. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer ses enfants, tout ça. Et je lui dis, il s'est souvenu de ce que je lui disais par rapport au conseil que vous avez donné. Je lui dis, vous avez dit ça, vous avez donné ça, vous avez fait ça. Et il était là, il me regardait. Et je lui dis, si ça peut, il m'a dit merci. Il m'a dit, ça me fait du bien. Il m'a dit, vraiment. Je lui dis, c'est que ça va, si on a pu vous donner ça, là, aujourd'hui. Juste sur un doublement là et puis sur un coup, bien ça c'est bien là, bien là, je me dis pas nous, quand tu veux. Attends. Vraiment, ça, c'est ça en fait, pour moi ces moments-là, ils sont faits pour ça. Autant on donne, mais autant aussi on reçoit, sans forcément recevoir d'un point de vue matériel, c'est-à-dire ces gens-là, ils nous donnent quoi. Ils donnent des conseils, ils nous ont donné un conseil, et ce qu'on en rend aujourd'hui là, d'un point de vue du matériel, ben, en fait, on ne pourra jamais assez, on ne pourra pas en faire assez en vérité. C'est-à-dire en termes d'équité, on ne pourra pas donner plus que ce qu'ils nous ont donné en fait. Alors la distribution est maintenant terminée. Donc je vais demander à tous les bénévoles donc, de plus rien. Attends, je voulais de l'eau. Ça passe. C'est des voix de c'est le peuple, c'est la magie d'hier. En tout cas, moi je me sens à ma place, je me sens bien. 94, hier on va voir un peu la même chose de c'est la première fois que je suis allé, c'est la réussite. Franchement, pas tout le monde.
selon les médias, BFM Paris, BFM TV. Très sincèrement, enfin voilà. Vous voyez. Quelqu'un qui est. Les gens qui ont des yeux, l'amour à donner, la force à donner, dans des sourires. C'est la vie en fait. C'est que des gens Voilà. C'est quoi le but? Parce que j'ai une grosse tête, hein, alors si tu fais un zoom. Ah, d'accord, pardon. Moi, ça me dérange pas. Mais en fait, comme j'ai déjà une grosse tête, peut-être aussi près. Après, je fais le montage et tout bien, nickel. Alors, maigre, hein. Nickel. D'accord. Comme tu veux. Vas-y, on prend la pose ensemble. C'est une vidéo, je vous le dis quand même. Hein. C'est une vidéo. Hein. C'est une vidéo. Ouais. Ah merde, je vous parle. Oui. Alors, parle-moi de Rof. De faire partie de cette organisation à but humanitaire. Vous êtes content que Rof a pu se déplacer dans ce quartier dans l'espoir. Il a pu prendre le temps de parler aux jeunes, de faire des photos. Merci beaucoup et à très bientôt. That's it, c'est tout. Mais tu le connais, tu as écouté Rof, tu faisais... Non. De quoi? Maman. Ah, de maman. Maman, elle est non, ça n'a rien à voir. Ouais, j'écoute ça depuis l'enfance. Franchement, c'est incroyable. Non, non, je ne veux pas commencer à acheter parce que le rap, je ne connais pas trop. Mais franchement, c'est... Wow, high level. Elle aussi a fait la soirée. Franchement, je suis fait gagner. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, mais pas peur. Mais non, mais pas peur. Ensuite, t'es là. Ouais, quand même. Ahmed. Asri. Viens, viens, prends une photo. Ah ouais, mais Asri, on t'attend, t'es où là? Ah ouais, je sais, mais il y avait une manif. Ah ouais, relou. Relou, tout est bloqué, tout est bloqué. J'ai donné ton numéro à mon gars Doudou. Ouais. Normalement, lundi ou mardi, on cale ça. Allez, c'est bon. On fait une heure, on cale ça. Ouais, ouais, c'est bon. Okay. Dans 10h. En fin d'après-midi, ouais, fin d'après-midi, tranquille, au vas-y. Allez, ça marche. Ok. Ouais, avec plaisir. Carré. Merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, je voulais un petit mot si vous voulez passer le blanc. Aujourd'hui, c'est une après-midi pour la fierté des nôtres. Voilà, vraiment. Que des fiertés des nôtres. Tout simplement. Voilà. Les billets, le frère de ses filles. Ça va. On est dans son quartier. On a des belles personnes. Ça va. On a des belles personnes ici. On a des élus. Rappelle-le, ouais, c'est il a baissé le loyer, il a baissé le prix du loyer ici. Ah ouais, je peux te voir, ouais, je te fais ça. Ouais, ça. Viens voir, deux secondes. Ouais. Bonjour. Vous avez fait baisser le prix du loyer ici? Ouais, sur les charges, on a trouvé des petites contrefaçons, donc voilà quoi. Comment t'as fait? On a trouvé des vices de procédure sur les charges.
Il a fait baisser les. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi, tu fais quoi? Tu es élu? Non, je suis association des locataires de la Cité de l'Europe. Ok. C'est une fierté du nom. C'est pas pour nos voisins, pour nos familles, pour nos parents. Et voilà. Il a trouvé une faille dans le dossier. Donc il a baissé le prix du loyer. Ouais, parce qu'ils ne sont pas rendus compte qu'on payait l'ascenseur, les charges de l'ascenseur. On habite en rue. L'ascenseur. Il y avait des vis comme ça, il y avait des petits vis, il y avait de l'argent comme ça qui partait. Ouais, ouais, il y avait pas mal d'irrégularités. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore vues. Okay. Et malheureusement, il y a beaucoup de bailleurs qui profitent de l'ignorance de nos parents. Ouais, ouais. Et c'est à nous aussi de contrôler, de voir, parce que nous, toute notre vie, on a payé des loyers. Au final, on ne sait même pas où est-ce qu'il va cet argent. Et le vrai combat, il est là. Et au quotidien, tu fais quoi? Moi, je travaille. Avec les jeunes, hein? Tu travailles avec les jeunes? Ouais, on travaille dans tout, on fait un peu tout. Voilà, on essaie de faire un peu d'insertion, on essaie d'accompagner les familles quand elles ont besoin. On s'implique dans la vie associative de notre cité, tu vois. T'as grandi ici? Sur la ville, t'as grandi ici? Hein? T'as ouais, j'ai grandi ici. Ça a changé? Ouais, il y a toujours eu des problèmes, mais voilà, après les problèmes ils évoluent, tu vois, avec le temps. Mais voilà, après nous, les nouvelles générations, les anciennes générations, c'est pas la même chose. Mais c'est à nous aussi, les anciennes générations, on va dire un peu plus anciennes que les types, c'est à nous aussi de prendre le flambeau. Comme il y a eu certains mouvements quand on était jeunes, et il faut pas que ça se reproduise, tu vois. Et c'est à nous aussi de s'impliquer dans la vie de nos petits repères, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Après, que chaque génération attire l'autre qui est en bas, tu vois. Est-ce que le fait que les rappeurs et des artistes ils viennent ici, c'est important? Ouais, c'est bien parce que c'est une reconnaissance pour le quartier, ça fait plaisir à tout le monde et même pour les habitants, tu vois, c'est quand même une fierté d'avoir des grands artistes qui viennent sur la cité. Et voilà, ça nous fait plaisir à nous en tout cas. Ça donne, On est d'accord, ils sont pas payés. Hein? On est d'accord, tu les as pas payés, ils sont pas payés. Non, jamais. Non. On n'a pas d'argent pour payer. Non, on les a payés en Hassanet. Ouais, et ils sont venus. Hein? Et ils viennent. Ah, ils viennent, franchement ils ont super joué le jeu. Et non, super sympa, stylé. Voilà, tout le monde est content, les enfants, les gamins, les parents. Et voilà. Quoi. Est-ce que tu as vu, il y a beaucoup d'artistes et de rappeurs qui viennent du 93, de René? Ça y est, c'est lui. Excuse-moi. René, c'est pour plaisir. Merci. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, je fais un travail avec Ousni. Et je voulais savoir ce que le rap apporte à la jeunesse, en fait. Il y a différentes façons de rapper. Moi, personnellement, je suis pas trop. Je connais pas bien le monde artistique. Ouais. Je suis pas vraiment dans le monde artistique, donc j'ai pas un œil vraiment. Mais est-ce que. Mais je sais que c'est un tremplin pour pas mal de jeunes, tu vois. Les jeunes, si aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui les intéressent, c'est un art comme un autre. Après, voilà, l'art, c'est un monde qui est vaste et c'est un monde qui est varié. Malheureusement, aujourd'hui, dans les cités, on nous a cantonné dans certaines catégories d'art. Ouais. Faut pas... Nous, ce qu'on invite, on invite beaucoup les jeunes à voir ce qui se passe à l'extérieur, tu vois. Que ça soit dans le rap, que ça soit dans l'art, que ça soit dans tout ce qu'il y a, tu vois. Et voilà, c'est dans le sport et dans pas mal de choses. Et nous, on pousse nos jeunes, on pousse les jeunes de nos cités à continuer leurs études, à essayer de faire un trou dans les études, parce que c'est ce qu'il faut, tu vois. Est-ce que tu penses que les artistes ont une responsabilité sur la jeunesse? Bien sûr. Ouais. Une grosse responsabilité. Comment ils veulent leur message, leur texte? Exactement. À un moment donné, quand ils ont une certaine notoriété, voilà, il faut l'utiliser en bon escient. C'est une arme qui, des fois, peut se retourner contre nos jeunes à nous, tu vois. Okay. Et voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des artistes engagés et qui montrent aussi cet exemple-là. Tu vois, quand tu as des artistes qui viennent et qui jouent le jeu, qui distribuent des denrées aux familles et tout ça, bah, c'est aussi un exemple. C'est aussi ça le côté de l'artiste. C'est pas que le côté bling-bling. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton prénom, ton nom? Mohamed. Tu peux dire Mohamed Batou. Mohamed Batou. Comment tu appelles? M2ATOJ. Ok, merci. Bonjour. Lamine. Asri, ça va. C'est un combattant. Ça se voit. Un combattant pour les jeunes. C'est un acteur. Et tu te rappelles quand le policier qui a essayé de mettre le jeune par terre à ce moment? La vidéo virale qui a tourné le policier. J'habite pas en France, j'ai pas fait attention à tout. Ouais. C'est toi? C'est lui. Et il a réussi à te mettre à terre ou pas? Et en fait, il a créé un mouvement pour lui. Je te présente. Je te laisse réunir. Je te présente la mine.
Tu te rappelles la seconde, le CAF qui a voulu faire tomber le... Ah, c'est toi. Voilà. Ah, t'as fait ce qui est tout propre. C'est pas ça, lui. T'as fait propre. Non, c'était propre. Il a fait propre. J'ai vu, j'étais content. J'ai dit, voilà. Une fierté des nôtres. Attends, je prends une photo. J'ai pas l'appareil. Ouais, j'ai pas l'appareil photo. Attends. T'as vu, là, je suis en train de faire mon documentaire. C'est le documentaire de ma carrière. C'est ce que ça veut dire. Il n'y en a qu'un comme ça, tu vois. Bon, ça fait 6 mois qu'il est en tournage, t'as vu. Et ça a commencé à l'international. On a fait Marseille, on a fait Paris. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, de footeux. Il y a du monde, tu vois. Mais que du beau monde, t'as vu. Ceux qui sont dans le vrai combat, t'as vu, qui ont une belle image et qui sont classe, tu vois ce que je veux dire. Et j'aimerais bien que tu fasses un visio de là-bas. Et que tu exprimes justement tout ce que tu es en train de dire là. T'as capté ? Parce que t'es une fierté des nôtres aussi. À ta manière, quand je vois d'où tu pars et où tu es maintenant, t'es une fierté des nôtres. Donc il y a des points en commun, il y a des choses à dire. Et on a une histoire à raconter. Et ce serait bien que tu fasses un visio de là-bas. Tu vois, comme ça, ta tête aussi, elle apparaît dans le documentaire. T'as capté ? Ça serait beau, ça. Ça serait beau. Donc je vais donner... Je vais donner ton contact à Asri, c'est lui qui gère ça, t'as vu, c'est le pote à Dubaï. Là, on est ensemble dans un Viano, là, on est en train de rouler. Et il t'appellera, tu feras un visio avec lui. Faut filmer derrière. Pourquoi ça ? On va faire les coupures, ouais. C'est vrai que la coupure, là, il m'énerve. Wesh, j'y aille, wesh. Excuse-moi, c'est qui, c'est Kouyafa? C'est mon petit frère. C'est ton petit frère? Ben, c'est, voilà, il est mon grand frère. Bonsoir. Et voilà, c'est mon frère. Oui, on va lui donner un t-shirt. Ouais, 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 vas-y, bien sûr, il est là, vas-y. C'est en mémoire de notre petit frère qui est décédé il y a 40 jours. Un accident de moto dans le quartier. De ouf. Du coup, merci beaucoup. Hein. J'ai vu la façon qu'il m'a dit. Il me reconnaît même plus. Donc, comme moi, tranquille, mon frère. Ça va. Excuse-moi.
T'es au parloir avec ça veut dire quoi? T'as trop parloir avec lui? Ouais. On était à Fleury ensemble. Alors je disais, c'est la famille, c'est le problème. Lui, il était à Fleury, il était avec les détenus, il était pas. Ouais, il était avec nous, Il était avec nous, il était au quatrième, j'étais au deuxième. Mais c'est quelqu'un qui se mélange à nous. Ouais. Il se mélange, ouais, il fait pas dans le détail. C'est un bon gars. Il refuse les traitements de faveur. C'est vrai. C'est un mec carré. Un carré attitude. Ça bouge pas. Le tarif là avec moi, Fleury avec moi. Ça bouge pas, gros. On était là avec tous les animaux normal. Il est normal. Tournoi de foot, surtout. Ouais. Heureusement, on n'a pas parié, j'aurais perdu. On a joué au foot demain finalement. Non, j'ai pas. Ils nous ont fouetté, ouais. Ils nous ont fouetté, ouais. Mais tu te souviens vite, quand même. Tu te souviens vite, hein. Quand même, ils t'ont lâché, hein. Ouais, avant tout le monde, hein. Je fais 6 mois. Ouais, ça va, ça fait bien. Moi, je suis sorti quoi? Un mois et 20 jours après. Ah bon? Ouais. Ah ouais? On est sorti la meuf ou... Plassard. Non, elle est gentille, Plassard. L'autre, il est méchant. Il est méchant, mais plus excusez-moi les Congolais. Ensemble, excusez-moi. On s'appelle. Ah, en plus, je suis passé avec lui là pour une liberté. Ah, une autre affaire. Il m'a cassé le gueule. Ah, c'est bizarre, l'écoute. Tarros qui t'appelle. Ah, j'arrive pas, ça. J'arrive. Je l'ai. M'appelle. Ma belle. Là, je suis quand même, hein. Mais là, à la fin, il est obligé de lâcher. Il est obligé de lâcher, le mec de Vélo. Mais maintenant, il est où? Maintenant, il est là, en liberté de. Ah ouais? Ah, c'est moi. T'arrives pour moi, tu m'as rendu liberté. Ça fait Mappel. Il a dit, désolé, le Congolais. Il s'appelle Mappel. Quand tu penses, Un chat qui était cool et l'autre. Pas très facile en négociation. Les gens, ils avaient tous. Les détenus à Fleury, ils avaient tous une appréhension de passer devant lui. Ils sont obligés de faire une récitation là, par cœur. Pour motiver à accepter. Mais il y avait une bite, t'as vu, en plus au D1. C'est un bâtiment qui. C'est le bâtiment des jugés. Ok. On était 1100. Ça fait que les dossiers sont pilés dans le bureau de ce juge-là. J'étais pas trop aimé, pas trop apprécié. Après, t'en as d'autres qui disaient non, il te lâche, il te laisse sortir. Ouais. T'as une bonne tenue. Ouais. Plus c'est dans l'ordre, plus il y en a beaucoup. T'as qui, il est où? 2, 3. C'est bon, c'est la dernière photo. Ah, c'est bon. Comment ça va?
Charcot. Bah, okay, bon, Il va payer 100 balles lui. Il va donner 200 euros, frère. Mais non, il n'y a plus de pain. Impressionnant. J'ai faim. Ils m'ont donné faim aussi de ouf. Ah ouais. Rien qui me gêne, juste j'ai faim. Là, ça vient d'Atismus, c'est tout un coup. Et il connaît, il connaît par cœur ma gueule. C'est Aïd tout seul, il est terminé tout seul. Tout le monde là. Dédicace, petit parking d'Atismus. Tout le monde a la support maintenant là-bas. Tout le monde. Tout le monde. Laisse-moi finir mon assiette, fais ce que tu veux. S'il te plaît. Arrête de manger.
Fais la porte. Ton truc, il a l'air dur, hein. Vas-y. Tu me redis, arrête de manger. Attends. T'as un calibre et tu veux me mettre une patate. Alors on recommence, c'est pas servi. Arrête de manger. Mangez pas. Tu manges pas, je t'ai dit. Ouais, allez les enfants, allez, essayez de manger là. C'est bon, monsieur. C'est bon, non, eux ils sont relous. Allez, Ismaël.